George, George of the jungle, strong as he can be. Salut les petits rapporteurs. Donc ce matin, il doit être 7h maintenant, vu qu'on a attendu 3 plombes. Donc on se fait une petite balade en canoë avec Monsieur Pigouille derrière moi. Voilà, au Chitouane. Et puis on espère qu'on va voir des animaux, mais on vous promet rien. Je pense que c'est pas gagné. Ça tangue un peu, hein. Ouais, on n'est pas très stable parce qu'on n'est pas assez nombreux, je pense. Voilà, donc profitez de cette petite visite qui va être, je pense, même si on ne voit pas d'animaux, très agréable. Ouais, très joli. On est en expédition là. Et apparemment, on a trouvé un rhinocéros. On a vu quelques traces, donc là, on se met à sa recherche. Pas faire de bruit, hein. Chut. On n'est pas tout seul. Hein. Un petit plus de plus. Wow. Thank you. Et je crois que je vous montre une deuxième espèce en voie de disparition sur Terre. Tu filmes aussi ? La yakesse. C'est pas vrai, j'ai plus un poil, c'est mon plaisir. Bon, Yeti Girl. Mais en même temps, oui, c'est vrai. Des femmes comme moi, il en existe peu, tu vois. Bah, surtout que près de la ménopause, effectivement, c'est forcément on va destiner. Petit rapporteur, on a fait ça pour Xavier Alexandre, qui vient de traquer l'animal. On l'a trouvé, on s'est un peu battu tous les deux et du coup il est un peu blessé donc il se pose. Mmh. Ouais. Je lui ai foutu un coup de bique, il a essayé de me foutre un coup de corde. J'ai gagné. C'est pour les enfants, t'as pas honte. Voilà, et du coup on va le laisser mourir tranquille. Oh, il veut pas mourir, c'est pas vrai les enfants, n'écoutez pas, il est juste blessé. C'est total pour ce que je viens de faire. Ils m'ont dit maintenant, ils m'ont dit plus Makuna. Oui, parce que Makuna, ça veut dire PD. Hein. Je pense que là, tu finis tout sauf moi, mais voilà, vous deux petits rapporteurs, c'est là, parce que c'est là que vous allez voir comment je vais. Nickel tigre. Oh, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Bon, alors là, c'est un peu l'angoisse. En fait, notre petite vient de nous dire que on allait marcher dans la jungle, alors... Autant vous dire qu'on est en tongs, bien sûr, on est très bien chaussés parce qu'on nous a dit ce matin que c'était pas la peine de mettre nos chaussures de rando. Et il est fort probable qu'on rencontre des rhinocéros. Donc si on rencontre des rhinos, il faut qu'on court en zigzag de gauche à droite. Il faut qu'on monte dans un arbre dès qu'on peut. Donc ça va être très simple, je pense. Voilà, donc je suis pas certaine que je vais vraiment filmer. On va pas beaucoup filmer, je pense. À moins que si on se retrouve bloqué dans un arbre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on se sépare, chacun dans un arbre. Oui, pour éviter pour éviter la casse. It's a joke. It's a joke. No, really. Eh ben non, c'est pas une blague. Donc chacun son arbre et puis chacun pour sa peau, quoi, j'ai envie de vous dire. I'm not joking, really. Ok. Yeah. Mostly aggressive, you know, rhinos, tigers, tigers. Ok. And dangerous animals. Les tigres, les ours et... So I will not give the guarantee, because while up. Yeah. Sometimes it kills a lot of sometimes none. Donc nous on est dans la brousse et on est en tongs. On est à la chasse aux éléphants. C'est pas du tout des grands éléphants. Il en faut
peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons, et toute la jungle est ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis? Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein? Mowgli, attention! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens toi, et en cadence. Oh. Hein, il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux? Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein? Garde. Hey.